Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, j'essaie de vendre que certains trucs en début d'épisode pour essayer de acheter de la Soussiane et des Virus Nether pour qu'on puisse essayer de faire un champ de Virus Nether. Donc oups, c'est vrai, c'est ce panneau là. Donc on va vendre tout ce qu'on a pour ça. 46, une virus ça coûte combien? 5, on pourrait en acheter 2 je crois. Voilà. Ensuite la Soussiane ça coûte combien? Ça coûte 12, donc on va en acheter 2 aussi pour faire pousser à chaque fois et agrandir notre champ. Donc voilà, j'ai des diams aussi que je vais faire, que je vais vendre. Donc attendez un instant. Tout vendre ça pour 92 et vendre tous les 21 fers que j'ai pour ça. Donc voilà, on a combien de money? On a 118, on va tout acheter. On va tout, on va y aller tout pour la reproduction. Donc 10, 12, 15. Il nous reste combien? Slash money. 53$ pour acheter un peu de Soulsense. Donc on a seulement 6 Soulsense. Ouais, c'est pas tellement tellement bon hein. On base, on va faire ça au-dessus. Donc on va creuser une petite salle. On va faire ça ensemble aujourd'hui. Creuser une petite salle, mais on va les planter juste avant pour qu'on puisse essayer d'en avoir un peu plus. Pour essayer de les revendre. Pour ensuite les revendre pour acheter plus de Soulsense. Pour être plus équivalent, vous voyez ce que je veux dire. Donc faut pas oublier qu'il nous en faut toujours 15. Donc de base, il faut toujours en avoir 15 quand on vend. Donc voilà, il nous en reste 9, on va mettre ça là. On pourrait peut-être faire ça ici. Voilà, on va faire ça ici. On va creuser. Donc ouais, c'est un épisode minage, une petite forme de virus du Nether. Puis voilà, en espérant que ça vous fasse plaisir les amis. On va peut-être, finalement, on a décidé qu'on allait aménager la base en genre dans une batcave en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire plein de trucs dans la grotte. Par exemple, là, c'est le point central, mais après ça, il y aura d'autres trucs. On va aménager, on va l'aménager vraiment stylé, puis en espérant que ça vous plaît. Donc, attendez, là, on va miner quand même en coin, que ça soit stylé. Donc, ici, il y aura un bûche de bois, ici, une autre bûche de bois, donc on va faire ça. Comme ça. On va faire ça, un genre de truc en coin. Faut que je sois capable de me retrouver aussi dedans. On va essayer de le faire automatique, donc faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait de l'espace derrière aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pied ici, dans le coin, et un autre là. Donc, techniquement, on va faire ça, creuser dans le fond là. Super, comme ça, ça devrait faire un truc en coin, l'eau qui va se déverser dans le coin où ce qu'on vise en ce moment devrait s'en aller jusqu'ici, je crois. Et donc, ça va faire tomber tout ça qui sera sur les blocs ici autour. Au pire, on en installe deux et c'est pas grave. Voilà. On va creuser un petit peu plus profond. Ça va nous prendre pas mal de Soulsense quand même. Hein. Quand on y réfléchit, là, ça va être... ouais, ça va être chaud quand même trop autant de Soulsense. Faut laisser moi y penser. On pourrait faire sur peut-être plusieurs étages aussi. On va le faire sur plusieurs étages. Donc, hop là, c'est déjà creusé en dessous. On va le faire un peu plus haut. Est-ce que ça a besoin d'une de plus haut? On va le faire un petit peu plus profond. J'aime pas trop la profondeur. Les virudineurs ils poussent assez vite quand même, donc ça va. Faudrait les checker assez souvent, mais je pense que ça va être notre moyen de faire de l'argent pour le départ. Après ça, faudrait faire autre chose parce que je pense pas que ça se vend super cher. On va creuser plus de profondeur par là. C'est ce côté-là que j'aime pas trop. Donc ouais, ensuite on essaiera de le décorer, mais comme je vous dis, ça prend encore de l'argent. Je crois que le bois qu'on a acheté pour le bas de la base, il est plus en vente. Il se vend plus, donc c'est assez chaud. Puis voilà, donc en espérant que tout ça fonctionne. Je tourne les épisodes tous assez rapprochés parce que en ce moment je vais travailler sur un gros projet. Donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je travaille déjà pour faire mon site icons.com. Donc je travaille déjà en masse là-dessus. Je travaille aussi ben, sur le serveur iFactionZ qui est déjà ouvert, je l'espère, ou il va ouvrir bientôt à l'heure que cette vidéo devrait être postée. On est en train de travailler fort là-dessus, donc j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. C'est pour ça que vous avez pu peut-être pas, pendant un bon moment, vous avez pas eu des vidéos une fois par jour. C'est aussi en raison de ça. Et ça se peut aussi que les épisodes soient plus courts parce que justement à cause de la raison que je travaille beaucoup et je dois beaucoup planifier des vidéos. Donc techniquement, voilà. J'ai pas d'autre chose à vous dire. Mais oui, voilà. Donc le let's play sur Lightfire s'est arrêté ou va s'arrêter dans les prochaines semaines. Je crois que je vais encore tourner 2-3 épisodes et puis après c'est fini. On a déjà fait le tour, il reste quelques petits trucs à faire et puis après ça on a vraiment fait le tour du serveur. Donc ça ne sert plus à grand chose de jouer dessus. Donc il va nous rester Royal Fight et puis un autre serveur que je devrais bientôt découvrir. Je pense que ça va être Icaria, un autre serveur magie un peu comme Lightfire.
Donc ça m'a vraiment plu quand j'ai vu qu'il y avait un autre serveur comme Lightfire en fait. Donc j'ai dit ouais pourquoi pas, on va aller voir. Donc je vais aller voir ce serveur là. Je sais pas si je vais faire une série dessus, je vais juste aller voir. Demain ou après-demain je vais essayer d'aller tester le serveur s'il est pas stylé. Il est pas mal stylé ou pas. S'il est pas stylé vous allez pas le voir, s'il est stylé vous allez le voir. Donc voilà. Je crois qu'on est pas mal bon. J'arrête pas de papoter mais en vrai je crois que c'est pas mal stylé. Ok c'est bon. On a fait un trou ici. Donc maintenant on va faire le trou pour mettre la Soul Sense. Et voilà. On va mettre des dispensers je crois. Ah, oh shit, oh, j'ai tombé. On peut pas mettre des dispensers, c'est vrai. Sur ce serveur là, il n'y a pas grand chose qui est autorisé en fait. Attendez, faut que j'y voie. Ouais. Donc attendez deux secondes. Je suis en train de réfléchir à ce que qu'est-ce qu'on va faire à la place des dispensers. Peut-être juste un piston qu'on va rétracter. Un piston qui va bloquer l'eau. Ou un bloc qui va bloquer l'eau avec un piston qu'on va faire rétracter. Ça pourrait être une des solutions. Ouais, ça devrait être une des solutions. Donc si on met de l'eau là, ici, ici, et ici. Dans ces trous là, ça devrait être pas pire. Je crois ici qu'ils en prennent un. Comme ça. Ça devrait être pas pire. Donc voilà. Ben je vous reprends un peu plus tard quand on a un peu plus de Soul Sense parce que je vais trouver des solutions d'avoir de l'argent pour acheter plus de Soul Sense et faire ça plus rapidement. Donc je vous retrouve tout de suite après, à tout de suite les amis, restez là. Yo salut les amis, on se reprend, donc on est tout de suite après cette fois-ci pour l'épisode numéro 15 en fait. On doit continuer à travailler sur la forme du virus Nether. C'est juste que je suis en live en ce moment donc je vais remercier. Merci Dark du follow. Donc je suis en live en ce moment puis on va continuer à... On va faire ça en live d'aujourd'hui. Les prochains épisodes on va les faire en live. Donc jusqu'à l'épisode 18 je crois que j'ai prévu dans ma tête en ce moment. Après ça l'épisode 18 on verra ce qu'on fera. Mais jusqu'à l'épisode 18 c'est sûr et certain les amis que je vais vous rec ça. Puis on va faire ça tout ensemble aujourd'hui. Donc on en a encore pour quelques heures 3-4 heures pour nous les gens du live. Et puis les autres ben en fait les vidéos, vous allez les avoir une fois tous les deux jours. Donc, en gros, si vous voulez voir en replay le live, vous allez pouvoir l'avoir une fois tous les deux jours. Donc, en ce moment, je travaille sur une forme du virus du Nether. Donc, j'ai eu un don de Cube Max, donc ce gars-là, qui m'a donné un truc. Salut, merci Clem du follow. Il m'a donné du virus du Nether et puis du Soul Sense. On va pouvoir faire ça. Et puis, voilà. Après ça, j'ai planifié de faire un truc à spawner. En gros, si j'ai tué un CC, ouais. Je vais vous montrer. On va faire... on va aller faire ça pour avoir... en fait, on va créer le truc à zombie, le pig zombie. On va faire ça dans l'épisode 16. Et puis, il y a quelque chose qui va venir nous rejoindre après sa game de CS. Je crois qu'il est dans une game de CS. Donc, on va faire ça tout ensemble. Il y a aussi... Il y a pas mal de monde en ce moment qui sont sur le serveur. Donc, il y a déjà 71 personnes. Donc, si vous voulez faire partie d'une de ces personnes-là, les amis, vous avez juste à taper point d'exclamation IP. Spacey, coupe ton micro, mon pote. C'est dégueulasse le son. Vous avez juste à marquer point d'exclamation IP dans le chat et vous allez avoir un lien pour télécharger le launcher. Sinon, dans la description, je vais mettre le lien du launcher si vous avez envie de le télécharger. Donc, voilà. Moi aussi, j'étais fait un don. Denis Sulsens et Bâton de... Ouais, lui aussi en fait, les deux m'ont donné 32-32 en fait, je crois, ou un peu plus un des deux. Mais oui, il était deux, c'est vrai, je m'excuse mon pote, je m'excuse Darko là. Mais oui, c'est vrai, Darko là m'avait donné aussi. Donc voilà. En marquant hashtag, pas hashtag, what the fuck, point d'exclamation IP, vous allez avoir le launcher. Vous allez sur le site, vous téléchargez le launcher et vous allez être capable. Donc voilà. Coucou mon Icon, salut SV Boy, what's up mon boy, Icon, sur Lightfire, on a sous ta base. GG mon pote, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Est-ce que t'as réussi? Si t'as réussi, GG. Je vais aller voir ça après, si tu veux. Sérieux, même si tu m'as pillé, c'est pas grave, je joue plus sur Lightfire, donc... Bats les couilles, frère! C'est pas méchant, mais je m'en bats les couilles. Je vais juste reboucher ça, boucher ça, boucher ça, boucher ça. On va juste être sûr, fmap off. Les coordonnées, c'est bon. Donc, tout devrait être bon. Je vais juste vite fait option contrôle. C'est où pour les coordonnées déjà? Cords. On peut changer le bouton pour les coordonnées ou pas les gars?
F2, on peut pas non. Ah, j'aurais enlevé du F3, je l'aurais mis à quelque part d'autre comme ça au cas où que je l'accroche. Essaye de pas spam en capital truc, sinon le bot il va te pas, il va être ban, le bot il va te kick automatiquement. C'est pas moi qui choisis, c'est le bot hein, c'est le bot, il est méchant parfois. Donc, on va placer ça pour se faire un peu d'argent. On va aller what the fuck, j'ai l'impression que mon live il bug. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il vient juste de couper? Ouais. Ah, ok, c'est la qualité. Ok, c'est la qualité. Quelqu'un peut marquer dans le chat relancer. Il faut, ils vont relancer. Attendez, deux secondes. Bon, re les gars. Je suis désolé, ça l'a crash, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai l'impression que Twitch a des problèmes. Ou c'est peut-être moi qui ai des problèmes, je sais pas. Mais normalement tout est bon. Normalement vous m'entendez. Et tout et tout. Donc voilà, attendez un instant. Spécie, tu peux tester voir si ça fonctionne, je sais pas si t'es dans une game ou quelque chose. Ouais, là je suis dans une game. Merci SVBoy du follow. Salut Ezen. Ezen, ça va mon pote? Tu peux faire du CSGO ou pas? Non, pas, c'est pas aujourd'hui les gars, juste du faction aujourd'hui. On attend que ça pousse, pendant ce temps-là on va redéplacer ceux-là. Donc attendez, on va juste casser tout ça. Bon, moi je vais becter aujourd'hui. Allez, merci Nunez du follow. Ouais, j'ai une pub Mario. Sérieux? Merci Yayo, Yago du follow. Voilà, comme ça. Walou, walou. Ok. Viens pour don spawn, oh my god. Attends, je vais lui envoyer un message. X-Face. Attends, c'est quoi son pseudo? J'ai pas... garde ton stuff, mec. J'ai pas... c'est pas méchant, mais garde ton stuff, mec. Je vais garder... j'ai pas besoin de rien en ce moment. Merci beaucoup, les gars, du follow. Merci d'être là, les gars, ça fait plaisir. Darkmaster, mon pote, ça fait tellement longtemps que je t'avais pas vu. Comment vas-tu, man? Tu joues toujours à CSGO? Qu'est-ce que... Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est fait pour la farm à verrues. Je vais vite fait voir. Je pense qu'on va se mettre un petit coffre en rubis en haut. Ouais, on va se mettre un coffre. Attends, c'est l'autre côté. Je me suis trompé de côté. Merci Hypix, tu follow mec. Ça fait plaisir. Genre on va se mettre un coffre en haut à rubis pour mettre nos verrues quand on les a. Et puis on va essayer de poser quelques verrues dans nos machines, voir si nos machines fonctionnent. Donc on va se mettre un coffre là. Et puis on va essayer de tester comme j'ai dit dans les machines. Donc voilà, attendez. Voilà ici. Je suis ta copine sur UHA Game. Sérieux, what the fuck? Je me souviens pas de ça, mec. Si c'était une blague entre toi et moi, je me souviens plus. Sans être méchant. Keshox? Il a Keshox ou pas? Keshox, putain. Hé, hey, petit bâtard, je te parle. Keshox, je vais vraiment te crucifier, mon pote. J'en ai marre de toi. Ah ouais merde, c'est l'autre côté qu'il faut faire ça. C'est comme ça, attends. Ah mais merde, que j'ai foutu. J'ai pas placé un hooper, putain. Ça le place de ce côté, c'est quoi ce truc, sérieux? Attends, attends. Ah voilà. Là je crois que c'est mieux. Oh putain. Punaise, 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 punaise. Il est parti où l'alambic? Là, voilà. Ok, super. Super, super. Et là, on fait ça comme ça. Pourquoi les bouteilles d'eau vont pas là? Keshox! Attends. Faut peut-être faire ça. Ah voilà! Ah voilà! Attends, merde, 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 merde! Ils vont pas être au même timing. Putain. Je suis trop con. Non, c'est pas grave. Je pense que cette machine-là va être buggée pour les premières potions, mais c'est pas grave. Merci à Tfou du truc. Tu recrutes, man. Je vais recruter, ouais, des abonnés un peu plus tard. Pour l'instant, pas encore. Mais oui, je vais recruter au fur et à mesure. Merci, les gars. On est déjà 52, les gars. Ça fait vraiment méga plaisir. Je vous remercie du plus profond de mon cœur. C'est vraiment... super gentil d'être venu les amis aujourd'hui, surtout que ça fait une semaine que j'ai pas stream. Donc voilà, là on a des potions qui vont être vraiment merdiques. Enfin, ça va être des beaux. Regardez. Voilà, des no effects. Et puis ceux-là vont être bonnes par exemple.
Voilà, eux autres ils vont être au timing. C'est juste les premières qui vont être un peu maganées, mais sinon c'est des potions automatiques. Donc là ils sont rendus déjà ici. Potion de speed 2, ensuite ça va être en splash et puis nickel. Donc tout ça, tout va bien. Ici, nos verrues, ils sont nickel. Et puis à chaque fois, on va pouvoir remplir tout ça. Je vais placer le stuff que j'ai ici au home vault. Donc on a une vault pour ceux qui ne savent pas. On l'a fait dans le dernier épisode. Donc c'est le home V. Salut Fan Icon, salut les amis. C'est quand ton serveur, mon serveur, c'est bientôt, je l'espère du moins, c'est le serveur sur IP. Donc j'espère que c'est, j'espère que ça va vous faire plaisir. Attendez, vite fait, on va déposer ça. C'est un power, ça c'est un puncher. Ça c'est Sharpness 4, c'est bon. Des bâtons de royal, putain, il y en a normalement des bâtons de royal ici. On va faire home base, on va le mettre ça. Donc, tous les follow, merci les gars, ça fait vraiment plaisir à toutes les gens qui follow. Merci à tout le monde, salut Justino, salut Hypeek, salut Dark, salut vraiment à tout le monde. Normalement, si t'entends pas, tu devrais activer le son sur le côté, je crois que ça marche sinon. Normalement, tout devrait marcher. Ah bah ouais, mais il m'entend pas s'il a pas activé le son, je suis trop con. Attendez, là j'ai 6, c'est pas 6 déjà pour m'en faire un? Voilà ma poule. Un autre fragment, un autre royal. Donc on a déjà une épée. On va y aller pour les bots. Merci Lilipis du follow, ça fait plaisir mon pote. On va y aller pour les bots, je crois, en royal bientôt. Enfin, prochain épisode sûrement. Donc voilà les amis, pour ceux qui écoutent la vidéo sur YouTube, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour le prochain épisode tout de suite après. En fait, dans 2 jours. J'espère que jusqu'à là, vous allez vous porter bien. Je vous aime tous pour mon cœur. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Salut.